وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il y a des cas dans lesquels le demandeur peut être repoussé ou bien peut être réprimandé. Le cas où la personne qui demande est un fatin et quelqu'un qui cherche le trouble et la dissension entre les savants ou entre les étudiants dans la science. Il vient, il demande à un savant, il demande à un autre, il demande à un autre pour pouvoir mettre la zizanie entre les savants. Celui-là, on le repousse avec dureté. Celui-là, on lui apprend la politesse. On lui apprend comment on demande la science. Quelqu'un aussi qui vient et qui ne respecte pas l'assise une assise de science, ou qui pose une question inappropriée, ou qui pose une question qui peut être mal comprise par les gens dans l'assise. Et le alim, le savant, voit que ce n'est pas une maslaha, ce n'est pas un intérêt d'énoncer ce sujet, c'est un sujet qui dépasse la compréhension des gens. Donc il le tait. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à cela, à faire attention. Il a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam Muslim: tu ne parles pas aux gens d'une chose que leur raison n'atteint pas sans que ce ne soit pour certains d'entre eux une tentation. Et d'ailleurs, Ali radiallahu anhu a dit: parlez aux gens selon ce qu'ils sont capables de comprendre. Voulez-vous que les gens traitent de mensonge Allah et son messager? S'il y a des sujets qui sont délicats, que la raison des gens n'atteint pas encore, ça peut les pousser à démentir ou à traiter de mensonges des vérités de l'islam. Donc ces choses-là, on peut les retarder pour plus tard. On peut ne pas les dire tout de suite, les taire pour un intérêt. Donc le alim, le savant, ou bien la personne qui est questionnée, que ce soit un savant ou un étudiant en science qui est capable de répondre, s'il voit le maslaha, il voit l'intérêt de ne pas répondre, et un intérêt plus grand de ne pas répondre à cette personne, ou bien de la repousser à cause de son manque de politesse, à cause du fait qu'il cherche la fitna, qu'il cherche ses passions. Par exemple, quelqu'un, il questionne plusieurs savants jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse une fatwa selon ses passions. Et lui, il sait qu'il a déjà questionné un autre savant. Quand il vient le questionner, il dit: me questionne pas. N'as-tu pas questionné avant moi tel cheikh? Pour l'éduquer, pour le remettre dans le droit chemin, de ne pas suivre ses passions. Non. D'autres cas comme ça. Ça revient. On voit souvent ça, ce comportement chez les professeurs, chez les chiouchs, avec les élèves. Parfois, ils voient des élèves avec un mauvais comportement dans l'assise de science, qui prend la parole sans demander l'autorisation, qui se permet de répondre aux élèves à la place du cheikh. Quand une question est posée par un élève, c'est un autre élève, il prend la parole, il répond. Alors, il le reprend avec dureté, pour l'éduquer, pour que ce soit une leçon pour les autres. Naam.